Je salue à tous les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons maintenant l'école biblique dominicale transmise ici dans notre canal YouTube à tout le Brésil et aussi à l'étranger. Je vous salue, vous qui avez reçu une invitation dans la forme d'un lien pour participer de cette école biblique dominicale. Soyez bienvenue à notre canal, soyez bienvenue au culte de l'Église chrétienne Maranatha. Et je veux vous inviter à vous qui avez reçu un lien, afin que vous puissiez vivre une expérience dans ce culte, que vous ne regardez pas seulement une vidéo YouTube, mais en effet, que vous puissiez vivre une expérience avec Dieu. Ça, c'est notre objectif. Nous sommes ici par ce besoin que nous avons de vivre une expérience avec Dieu. Vous avez l'opportunité de partager cela avec nous, partager cette expérience avec nous. Je veux expliquer encore que nous commençons maintenant par YouTube, l'école biblique dominicale, et de manière simultanée, dans tous les temples de l'Église chrétienne Maranatha, nous aussi, nous commençons le culte. Les pasteurs commencent le culte dans chacune de nos églises. Et d'ici peu, à 10h et 10 minutes, au Brésil, nous allons entrer en réseau. Nous allons participer d'un même culte. Dans nos églises, nous avons des systèmes de réception, de transmission via satellite, et à partir de 10h10, les systèmes vont être allumés. Mais en plus de transmettre ici sur YouTube, cela va être transmis aussi via satellite vers nos églises. Nous allons commencer ce mode de culte et nous allons le faire par la prière. Nous allons prier par le sang de Jésus. Aux membres de l'Église chrétienne Maranatha qui nous regardent maintenant, j'invite à ce qu'ils se mettent à genoux pour ce mode de prière et à vous qui avez reçu un lien, avez reçu le lien, si vous souhaitez, naturellement, vous pouvez nous occuper dans ce geste. Restez comme meilleur vous convient. Nous allons prier maintenant. Seigneur, nous prions par le pouvoir qui est dans le sang du Seigneur Jésus. Nous mettons nos vies devant ton autel. Nous demandons, Seigneur, le pardon de nos péchés et que l'opération de ton Saint-Esprit dans chacun de nous, Seigneur, qu'il y ait la communion, qu'il y ait ce pardon merveilleux, l'accès à ta présence. Et que nous puissions toucher à l'enseignement apporté par ton enseignement pour nous ce matin. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Loué soit le Seigneur. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons louer le Seigneur maintenant. Il est important de dire que dans les cultes présentiels dans l'Église chrétienne Maranatha, nous avons toujours une partie de louange qui anticipe le message, anticipe l'enseignement doctrinaire. Nous allons alors louer le Seigneur maintenant avec un chant. Je vous invite à chanter. Les paroles vont être projetées à l'écran. Vous pouvez adorer le Seigneur avec nous maintenant. Soit le nom du Seigneur. Mes frères, nous avons vécu une expérience avec le Seigneur qui transforme à travers l'opération son esprit. Il a ouvert nos yeux pour regarder le chemin devant nous. Nous allons chanter encore une louange, la louange qui parle de la rencontre de quelqu'un qui ne voyait pas, un aveugle avec le Seigneur Jésus, et la transformation de la vie de cet homme qui a commencé à voir le projet de salut.
Gloire à Jésus. Quand on voit Jésus, la tempête passe. Quand on voit Jésus, les choses sont transformées. Loué soit le nom du Seigneur. Nous préparons maintenant pour la partie doctrinaire de l'école biblique dominicale. Et nous allons encore chanter un chant de louange au Seigneur. Dans la séquence de cette louange, après la louange, nous allons diffuser ici un autre générique, le plus long, le tour du monde. Et après, vous allez assister à l'école biblique dominicale dans la condition des pasteurs Jesus Sosa, Gédéon Tiguet. Présente dans des nations de tous les continents de la planète, des pays dans des églises dans des pays de trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectés par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unis par la parole vivante. Frères et sœurs de toutes les parties du monde sont touchés par l'Évangile, participent d'un même culte ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité, de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire.
Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Nous saluons à tous nos frères et sœurs qui participent de cette école biblique dominicale dans la paix du Seigneur Jésus. À partir de ce moment, nous entrons en réseau avec notre transmission via satellite qui est faite pour nos églises dans le culte présentiel de l'école biblique dominicale. Aujourd'hui, nous allons donner séquence au sujet traité dans la dernière école biblique dominicale lié au mystère. Ce sujet, il est tourné vers les questions qui sont répondues aujourd'hui ici dans notre école biblique dominicale. Et ces questions, elles sont basées dans plusieurs textes de la parole du Seigneur. Et nous voulons, juste avant de commencer le contenu doctrinaire de l'école biblique dominicale, faire ici donner une information rapide aux frères et sœurs liée à un témoignage qui est arrivé, nous est arrivé des églises liées à nous en Russie, spécialement dans la région de Philippe-Mogorov. C'est une ville proche de Moscou et Saint-Pétersbourg. Le groupe des frères et sœurs appelés de cette région nous a envoyé quelques recommandations. Nous avons posté dans le portail les réponses, participe de l'école publique. Je veux lire une phrase que un des frères, notre frère Gennady, qu'il a écrit lié à l'école biblique dominicale. Il dit, quand j'ai commencé à participer des réponses de l'école biblique de l'église chrétienne Maranatha, j'ai commencé à comprendre un peu mieux la parole de Dieu. Plus loin, notre frère écrit en disant, j'ai commencé à voir la Bible de manière différente de celle que je connaissais. Exactement, c'est un témoignage donné par nos frères de Russie qui sont liés à nous par les liens doctrinaires et par la communion du Saint-Esprit. Aujourd'hui, à midi, au Réel du Brésil, nous allons présenter ces témoignages en vidéo. Ceux qui veulent participer et assister pouvant écouter ces témoignages de nos frères et sœurs. À partir de maintenant, nous allons donner la parole au pasteur Gilles de Tigueiros pour nous apporter le témoignage doctrinaire de l'École biblique dominicale d'aujourd'hui. Je veux saluer les frères et sœurs dans la paix du Seigneur. Mes frères, d'abord, remercier à Dieu pour une année qui est passée, une nouvelle année qui se commence. Pour cette nouvelle année, en quelques instants, nous allons donner les informations nécessaires par rapport à la doctrine et à l'enseignement qui sera implanté dans nos églises à partir des révélations que le Seigneur nous donne pour cette nouvelle année. Tous savent déjà, il y a une grande joie et un engagement des pasteurs de manière générale, les ouvriers, pas seulement des frères et sœurs aussi, par rapport à la doctrine nécessaire pour vaincre cette période de l'Église quand nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Et ce sujet sera abordé, fait référence au mystère de l'Évangile de Jésus. Et nous allons montrer cela avec clarté prophétiquement, l'insertion de ce sujet. Pourquoi maintenant ce sujet il arrive maintenant et de quelle manière il entre dans la vie de l'Église avec comme une préparation, comme une fortification à ceux qui souhaitent passer, bien évidemment, traverser ce que aujourd'hui nous comprenons comme s'est passé avec Israël. Le passage du fleuve Jourdain. Nous allons comprendre ce moment que nous vivons. L'Église, elle vit ce moment. Nous sommes à côté du Jourdain. Nous voyons la terre qui est déjà à vue. Et prophétiquement, Moïse, à partir du mont Pisga,
Il a vu la terre promise. Nous aussi, nous sommes en train de voir prophétiquement. Maintenant, c'est de faire attention aussi au moment prophétique qui est semblable à celui-là, quand l'Église, elle doit traverser son dernier obstacle, la dernière barrière. Comme a été Moïse, quand il a traversé la mer Rouge, Dieu l'a ouvert, la mer, et le peuple est passé. Maintenant, nous attendons l'ouverture du fleuve Jourdain. Et pour cela, nous sommes préparés. Préparés pour ce grand événement que nous allons, le long de cette année et les autres années peut-être, le sujet sera donc la raison des écoles bibliques dominicales. Et nous attendons la plus grande participation des frères et sœurs qui souhaitent entrer dans la terre promise. Nous avons une grande histoire qui est prophétique. Dans l'Ancien Testament, un peuple qui a quitté l'Égypte est allé à la terre de Canaan, ses luttes, ses batailles, ceux qui sont restés dans le désert, ceux qui ont tourné le mont Séï, et ceux qui sont entrés de la terre promise et les recommandations. Et devant cela, donc les questions à partir du dimanche prochain, qui sont en fait aujourd'hui, elles auront ce sens. Et vous allez vous intéresser beaucoup parce qu'il y a une richesse extraordinaire. Vous allez voir que la révélation que le Seigneur a donnée le 31 peut être prêchée dans le passage de l'an, dans toutes les églises. Cela parle d'une préparation, simplement une marque, simplement une direction qui a été donnée vers laquelle l'œuvre va se tourner cette année et le besoin qu'elle a pour se préparer pour cette grande marche, ce grand passage. Et nous devons comprendre tous les éléments prophétiques qui sont dans ce passage. Nous allons nous approprier donc des enseignements et partir, suivre et réussir à arriver à entrer dans la terre promise. Nous allons voir pas seulement dans l'aspect de l'enlèvement de l'Église où tous seront réunis, mais individuellement. Beaucoup sont passés cette année pour l'éternité. Beaucoup d'autres vont passer. Il est nécessaire que tous soient préparés parce que ce qui est important, c'est le moment. Si le moment, c'est de A, B, C, c'est une chose. Mais le même moment sera pour tous. C'est un enlèvement de l'Église. Donc l'Église, en ce moment, elle doit être dûment préparée. Si nous allons attendre l'enlèvement, quelques-uns seront vivants, bien sûr. D'autres vont passer avant. Mais ceux qui vont passer, ils doivent être préparés de la même manière de ceux qui sont préparés pour le départ, pour traverser ensemble, c'est-à-dire pour l'enlèvement de l'Église. Beaucoup seront appelés avant. Aujourd'hui, demain, après, dans un moment de la vie. Ce qui importe, c'est d'être prêt pour ce moment. Mes frères, nous avons ici les réponses. J'aimerais te dire que nous avons beaucoup de réponses. Nous avons reçu une moyenne de 70 000 participations par semaine. Le pasteur Jules sélectionne quelques réponses, même des enfants, des adolescents, des frères d'autres pays, nations. Il y a une participation très grande de la part de notre peuple ici et à l'extérieur du Brésil. Pas seulement au Brésil, mais de l'étranger aussi. Et on voit l'intérêt très grand. Et ce que les frères ont entendu maintenant, le rapport qui est arrivé à notre main, j'ai demandé au pasteur Gilles qu'il lise, est juste un groupe de Velik Novorodch de Russie, donc un groupe de 6 ou 7 frères, 14 frères, qui donnent leur participation juste de ce groupe. Donc, ce n'est pas possible apporter. Et le nombre de tous les participants, les nouveaux qui arrivent. Donc, la fois dernière, il y a eu un groupe de Vicini et d'autres pays qu'on ne comptait pas. Nous avons une communication directe avec les pasteurs de l'Est européen. Il y a un groupe qui travaille pendant la semaine ici.
presque tous les jours. Il y a un travail spécifique de ces frères qui se réunissent avec des pasteurs de l'étranger et des nouveaux pays qui sont touchés. Réunion des pasteurs exige et qui demande qu'on ne les abandonne pas. C'est ça qu'ils souhaitent, que nous soyons unis avec eux en parlant de ce message, qui est quelque chose d'extraordinaire, ce qui se passe avec nous ici. Et quand nous voyons le résultat de l'école publique dominicale, nous voyons que notre peuple a commencé à participer de l'école publique dominicale maintenant, pas simplement comme des apprentis, mais ils sont en train d'enseigner. C'est intéressant. Dans les rapports hebdomadaires que je reçois, tous, 20% des frères et sœurs disent, je travaille avec des personnes de ce secteur, j'évangélise. Avant, je n'avais pas la condition d'évangéliser, je n'avais pas d'argument. Mais maintenant, j'évangélise. Il y a des cas des frères qui évangélisent 7 personnes de la même répartition. D'autres et quelques-uns se sont baptisés déjà. Donc, il n'y a pas seulement des hommes qui font cela, mais des femmes, des enfants qui évangélisent, des jeunes, des dames. Et nous sommes en train de récupérer un grand groupe de personnes qui étaient dehors et commencer à interagir maintenant avec l'œuvre à travers des révélations qui sont dans la parole. La partie d'introduction que nous faisons aujourd'hui, des fois, on commode à un ou l'autre, mais ceux qui sont incommodés, ils ne vont pas rester. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent écouter des conversations, des prédications. Ils ne veulent pas participer. Ils ne veulent pas comprendre les erreurs, des ajustements qu'on doit faire. Et ça, c'est le détail pour ce moment. Un groupe va rester dans le désert. Donc, c'est comme ça. Ils vont rester en train de tourner. La montagne d'Ésaü, la montagne de la maudition, ne vont pas entrer dans la terre. C'est ça que Dieu a fait. Dieu fait avec son œuvre aussi. Il nettoie, il enlève ceux qui ne vont pas, ceux qui ne vont pas, veulent revenir vers la terre d'Égypte. D'autres vont rester dans le désert, mourir. Oui, c'est ça. Mais il y a un peuple qui suit en direction de la terre promise. Nous sommes dans la frontière de ce passage, le Jourdain, il est rempli, les bénédictions sont là, les vestments de l'Esprit sont là, l'arche, elle est présente. Donc les mystères de Dieu sont à notre disposition en ce moment pour passer. Il y a un texte d'ailleurs qui dit que l'Église, en ce moment, devrait passer par un endroit qui n'avait pas passé avant. Donc il est nécessaire la direction du Saint-Esprit. Et nous sommes dans cette direction. Nous ne voulons pas la direction de l'homme parce que l'homme va rester. C'est ce que nous avons vu dans le premier verset, le chapitre 1 du livre de Josué, quand mon serviteur est mort. Maintenant, c'est Josué. Le prophète meurt. Le prophète va rester. La prophétie continue. Le prophète, l'homme, il meurt. Il meurt sans père tombale. L'homme dans cette œuvre n'a pas besoin de père tombale, des éloges après qu'il est mort. Non, l'œuvre va continuer à travers le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui, à ce moment, c'était un mystère, ce même Esprit Saint qu'aujourd'hui, il est dans son Église, l'Église de Christ. C'est celui qui va nous conduire. L'homme va passer. Beaucoup sont passés, beaucoup vont passer, mais l'œuvre va continuer. Mais ce qui est important, c'est que Josué et Caleb sont les représentants de cette grande œuvre. Va passer le grand fleuve Jourdain. Le fleuve est en train de déborder, mais le mystère va conduire notre peuple. Ce moment, personne ne sait comment faire. Ce que tout le monde savait, la Bible décorée, des versets ici, tout va bien. Mais ce qui importe maintenant, c'est la nourriture. Les frères et sœurs vont se nourrir tous les jours de la parole. Ceux qui seront fortifiés, ceux qui vont entendre les orientations et ce qu'ils vont faire est comme un engagement devant Dieu. Pas seulement ceux qui vont entendre la part du Seigneur, mais l'engagement.
Et nous allons voir les questions qui viendront pour dimanche prochain. Nous allons commencer en nouvelle phase. Vous allez voir la richesse prophétique nécessaire pour le moment que nous vivons. Je vais revenir ici maintenant. Je ne vais pas me rester trop ici. Et donc, les données que nous transmettons ici, en rappelant des frères et sœurs qui ont travaillé pendant toute l'année, les frères qui ont fait un excellent travail. D'ailleurs, nous voyons la participation de beaucoup des frères et sœurs, des pasteurs, la lutte qu'ils font face, mais les résultats, nous voyons aussi. Beaucoup de vies sont sauvées, beaucoup de vies qui viennent au pied du Seigneur, et un peuple à nous, tout notre peuple a commencé à évangéliser. Nous commençons à voir qu'il y a un travail spécifique, pas seulement du pasteur qui est en train de prêcher, qui est nécessaire, pas seulement d'un pasteur qui est en train de faire paître, qui est nécessaire. Il prie pour le peuple. Pas seulement, mais un peuple qui est en train d'apporter des vies, envoie les liens vers les autres, des amis, des connaissances. Et Dieu fait une grande œuvre. Et à la fin, c'est là. Et ceux qui pensaient qu'ils étaient dans le royaume sont en train de sortir. Et d'autres qui étaient dehors, ils sont en train de venir. Toutes les études que nous avons faites pendant l'année dernière, nous allons continuer à faire. De temps en temps, en rappelant l'invitation des noces. Ceux qui ont été appelés n'ont pas été choisis. Ceux qui ont rejeté l'invitation et qui le sont appelés des mauvais. Tout cela existe. Nous devons avoir le soin d'être préservés par la parole du Seigneur. Simplement par la parole. Pas par des conversations, par des animateurs, des programmes. Non. Par ceux qui sont en train de vivre la parole. La parole révélée, n'est-ce pas? Ce n'est pas la lettre. Ici, nous avons quelques réponses qui sont importantes. Nous avons des questions qui sont faites. Et je veux même dire une chose aux frères et sœurs. Quand nous faisons référence ici, nous apportons le sujet pour l'école biblique dominicale, nous ne sommes pas ici en train de demander les frères pour qu'ils répondent. Non. Les questions ont été posées, les réponses ont été données déjà. Donc les frères et sœurs sont réunis mardi, mercredi, le petit matin pour donner les réponses. Ce que nous faisons ici, c'est simplement vérifier les réponses et donner quelques ajustements nécessaires avec application pratique parce que les personnes sont habituées à lire la Bible comme si tout était dans le passé. Tout était dans le passé. Non, la parole prophétique, la parole révélée, est pour le moment que nous vivons. Ce n'est pas hein, parce que Israël a fauté, ceci s'est passé. Oui, un peuple n'est pas entré dans la terre de Canaan. Un peuple a traversé la mer Rouge. Tout va bien. Mais maintenant, nous sommes préoccupés avec nous ici. Les évidences là de la parole historique. Pour nous, elles ont un sens prophétique. Ce qu'ils ont vécu, la souffrance, les luttes, les victoires, sont les mêmes qu'on vit aujourd'hui, de manière différente. Là, le Saint-Esprit opère de manière, ici, il opère d'une autre manière, parce que maintenant, c'est le ministère du Saint-Esprit. Dans la période d'Israël, c'était le Père. Toute la conversation avait le Père, il y avait une personne au Saint-Esprit, mais le point central, c'était le Père. Pour montrer le Messie. Le Messie est venu, son ministère ici sur la terre a fini, et maintenant c'est le ministère du Saint-Esprit, à travers de Jésus. Jésus, il est le médiateur, et il se trouve entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et il sort l'Ancien Testament comme un mystère, et il entre dans le Nouveau Testament comme un mystère aussi, mais maintenant le mystère veut se révéler tous les jours à son Église, à tous les moments de son besoin. Ce n'est pas simplement dire Jésus est le mystère. Oui, et Paul savait ça. Et Paul a décrit Jésus comme le mystère qui était occulté dans l'Ancien Testament. Mais nous savons que le mystère occulté dans l'Ancien Testament, qui est Jésus, les mystères sont en lui, en Jésus. Et l'Église, elle a la responsabilité de découvrir ces mystères
à travers la révélation du Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit est celui qui commande maintenant. Tous les mystères, toute l'orientation, Jésus a pour son peuple, pour les sauver, pour son Église, pour ce monde prophétique que nous vivons. 16 minutes encore? Très bien. Pour moi, n'est-ce pas? Très bien. Total, 8 minutes pour moi. Très bien. Alors, passons ici. Ce que les frères et sœurs ont vu, les réponses qu'on a vues, non, méditer et répondre sur quelques aspects qui sont liés à notre salut. Observez. Quand nous admettons de lire et méditer le texte de Paul aux Éphésiens, nous allons voir la richesse du projet de salut. Donc, nous allons trouver pour chaque question qui a été posée, il existe un texte. Donc, par exemple, le texte d'Éphésiens 1.4, Galates 1.15, 1 Jean 2.23, 1 Pierre 1.2, Hébreux. Donc, chacun de ces textes a une réponse. Donc, nous avons Éphésiens 1.4, comme aussi nous a élu. Regardez bien, il parle sur le salut. Salut. Donc, ce n'est pas la peine de dire, je suis sauvé aujourd'hui, sauvé pour toujours. Ça n'existe pas. Ça, c'est de la conversation. Le salut, c'est un chemin. Jésus est le chemin. Et celui qui conduit l'homme dans ce chemin, c'est le Saint-Esprit. Si l'on ne laisse pas le Saint-Esprit gouverner et diriger l'homme dans ce chemin, donc simplement, il n'est pas dans le chemin. Donc, s'il n'est pas dans le chemin, il doit avoir un autre salut qui n'est pas en Jésus. Parce qu'en Jésus, il y a un seul chemin. C'est le chemin où le Saint-Esprit dirige et gouverne l'homme. Ce n'est pas ta religion qui va te gouverner. C'est le Saint-Esprit qui va gouverner. Si vous voulez être guidé par le Saint-Esprit, beaucoup de personnes, ils donnent l'âme à n'importe qui. Nous disons, ne donnez pas votre âme à l'homme. Ne donnez pas. Prenez soin de votre âme. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire de votre âme, ni de la sienne. Mais vous savez, celui qui peut prendre soin de votre âme, le seul, c'est le Seigneur. Donc nous avons ici, comment il nous a élus? Alors, comme il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin qu'on soit saint et irrépréhensible. Je vais être saint. Donc, mon idée à propos de saint, ce n'est pas les habits que je vais porter, ce n'est pas ma forme éduquée de faire les choses. Je peux être très éduqué. Je n'ai pas besoin d'être saint pour être éduqué. Je fais un cursus, n'est-ce pas? Donc, pardon, si je ne vous dérange pas, cela n'a rien à voir avec la sanctification, ni avec les habits. Non, ça n'existe pas. Donc, des vêtements longs, des cheveux longs, cela n'existe pas. L'œuvre de l'Esprit, celui qui commande, c'est le Saint-Esprit. Il sait les mesures que chacun doit avoir. Et chacun doit être conscient de ces mesures que le Saint-Esprit a pour gouverner votre vie. Ce n'est pas la peine de dire « Je suis chrétien », ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige votre vie. C'est quelqu'un qui vous dit « Vous faites ceci, vous faites cela, vous couchez ici, vous criez de ce côté-là, vous levez les bras ici. » Donc, vous faites ce que vous voulez. Donc, nous devons être pratiques dans ce que nous disons. Élu, 1 Pierre 1, 2, selon la préscience, avant que vous soyez né, gardez cela dans votre cœur. Avant que vous soyez né, Dieu vous a élu. Là, avant que le monde soit connu. Ça, c'est incroyable. Donc, si vous ne donnez pas la valeur à cela, vous donnez la valeur à un groupe qui vous appelait pour laisser d'être chrétien pour une autre chose. Alors, mais si vous avez la certitude d'un projet que le Seigneur vous a appelé, et pour lui, le Seigneur vous a mis pour lui, pour être serviteur, n'est pas pour être seigneur, propriétaire, non. Si vous avez compris cela, vous allez bien. Et
Et si c'est le Saint-Esprit qui vous dirige, c'est très bien. Maintenant, si c'est de la conversation, ça c'est une autre chose. Et tout le monde a le droit, n'est-ce pas, de donner des opinions. Mais regardez bien, quand nous voyons Galates, quand il a plu à Dieu, qui depuis le ventre maternel, et Paul, lequel il m'a appelé, il m'a séparé, regardez, il parle du ventre maternel ici, et d'autres textes qui sont là, nous connaissons parfaitement. Donc, salut l'Évangile, mes frères. C'est la valeur que vous donnez à ce que Dieu a fait pour vous. Ce n'est pas ce que vous faites pour Dieu. Et pour quelle raison vous êtes en train de faire quelque chose? La réponse est là. L'Évangile, la valeur de l'Évangile, c'est celui que je donne pour ce que Dieu a fait pour moi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Ce que Dieu a fait pour moi, c'est la raison de ma gratitude. Pour cela, je suis là aujourd'hui. J'aurais pu être ailleurs. Et tous qui sont là, dans la maison du Seigneur, pourraient être dans un autre endroit. Peut-être même en train de se reposer, n'est-ce pas? Pas de problème. Mais le texte dit, quand Dieu, quand il a plu à Dieu, qui depuis le ventre maternel m'a choisi par sa grâce, là le texte dit, cette valeur, je dois donner à Dieu. Je dois remercier à Dieu. Ma vie, Dieu n'a pas besoin ni de moi, ni de vous. Vous êtes triste pour cela? Soyez triste. Mais Dieu n'a pas besoin ni de vous, ni de moi. Si vous ne donnez pas la valeur de l'Évangile qu'il vous a donné, donc il est mort à la croix. Oui, il est mort, le pauvre. Non, c'est vous qui êtes le petit pauvre. C'est vous qui avez besoin de cela. Cette inversion qui se fait en religion pour caractériser la pensée des gens, accommoder, mes frères, ça c'est un crime. Mais ce n'est pas dans notre économie le jugement, mais c'est un jugement qui est de la part du Seigneur. Donc, l'Évangile, c'est la valeur que vous donnez à ce que Dieu a fait pour vous. C'est que ça. S'il n'a aucune valeur, il n'existe pas l'Évangile. Si vous n'allez pas au culte, à l'église, si vous ne louez pas, si vous ne priez pas, vous ne lisez pas la parole, si votre comportement n'est pas selon l'Évangile, donc c'est un autre problème. C'est la religion. Toute religion est bonne, mais elle n'amène pas l'éternité, parce que le projet est là. Troisième. Quatre minutes. Je termine, non? Non, pour moi, le temps. Est-il possible de dispenser l'élection dans ce projet de salut? Non, on ne peut pas dispenser l'élection parce que c'est Dieu qui fait l'élection. Ce n'est pas vous qui avez élu Dieu, c'est Dieu qui vous a élu. Donc, élu selon la prescience de Dieu le Père, c'est Dieu qui vous a élu. Donc, je pose la question, quel est le problème? Non. Ma religion, le voisin, etc., il est triste. Donc, il est triste parce qu'il m'a élu, mais n'a pas élu. Et mon voisin n'a pas élu, ma belle-mère, mon gendre, d'autres personnes. Donc, ça c'est pas un problème. Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Qu'est-ce que vous avez à voir avec ça? Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Donc, et lui, donc, il s'est mis dans une situation si désagréable, il pense beaucoup de choses à propos de Dieu, comme si lui, il était dans la position de Dieu. Donc, pour laquelle était la finalité que Dieu vous a élu? Dieu vous a élu, le texte dit, pour la sanctification, c'est-à-dire être guidé par l'Esprit, laisser le Saint-Esprit diriger votre vie, comme s'il nous a élu avant la fondation du monde, avant. Si vous nous êtes remerciant à Dieu parce qu'il vous a élu, qui êtes-vous? Vous êtes très important. Après, vous allez au cimetière pour voir où sera votre importance. Mes frères, les hommes veulent se valoriser devant Dieu. Dieu n'accepte pas cela. Dure chose est tombée dans les mains de Dieu vivant. 1 Pierre 1, Dieu dit le même texte. Comme aussi il a élu Éphésiens 1, 4, donc pour être irrépréhensible, passons à un autre.
dans la conscience de son élection, qu'est-ce que de votre élection, qu'est-ce que vous comprenez que cela va la confirmer de votre vie? C'est confesser à Jésus et rester dans sa parole. N'importe qui renie le Fils, renie le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Donc, ce que vous avez entendu depuis le début, que cela reste en vous. Si en vous reste, ce qui, depuis le début, vous avez entendu, aussi vous allez rester dans le Fils et dans le Père. Le prochain. Il existe une sortie pour ceux qui ne font pas attention au salut. Non, le texte dit, le salut, c'est quoi le salut pour vous? Salut pour nous et pour vous, c'est de vivre ce qui a été annoncé et confirmé par le salut. Le Saint-Esprit opère dans votre vie. Le texte dit, Hébreux 2, 3. Comment échapperons-nous si nous ne faisons pas attention sur ce second salut, lequel a commencé à annoncer par le Seigneur, a été après confirmé par ceux qui l'ont entendu? Et si le texte continue, vous allez voir des signes, prodiges, des dons merveilles du Saint-Esprit. Vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas? Vous voulez écouter que la prédication? Où se trouve le mystère? Ah, je veux écouter la prédication. Tout le monde est en train d'écouter des prédications dans le monde entier. Le texte dit, où se trouve l'assurance de votre salut? Nous avons été élus en Jésus pour vivre en sanctification. Éphésiens 1, 4, comme il nous a élus avant la fondation du monde. Il y a d'autres questions? Non? Ça, c'est le dernier. Amen. Non? Vous avez reposé parce que maintenant, il y a le pasteur juste qui va apporter les réponses. Ils sont des enfants, d'ailleurs. Et mieux que nous-mêmes. Les réponses qui ont été envoyées, juste confirmer ce que maintenant nous venons de recevoir en termes de réponse à nos questions. Nous allons maintenant passer à la première question. Nous allons diriger la question à notre sœur Ryan. Notre première question, la sœur Ryan est du groupe de jeunes, notre église à Citronin du Mato Grosso do Sul. Comme nous pouvons voir en Éphésiens 1, 4, qui dit, comme nous a aussi élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui en charité. Dieu nous a choisis, pas seulement avant qu'on soit animé, avant la fondation du monde, comme nous pouvons voir en Galates 1, 15, qui nous dit, mais quand il a plu à Dieu, qui depuis le ventre de ma mère m'a séparé et nous a appelés par sa grâce. Amen. À la paix du Seigneur Jésus à tous. Très bien. Notre question 2, nous allons avoir deux réponses. La première, d'un pasteur de l'église liée à nous, à Aktau, au Kazakhstan. Nous allons entendre cette réponse en langue russe. Juste après, notre sœur Valkyrie, du groupe de dames de l'église à Paris, en France, en langue française. Nous allons écouter les deux réponses. Frères et sœurs, la paix du Seigneur, je vais répondre à la question de l'école biblique dominicale qui dit l'évangile est la valeur que vous donnez à ce que Dieu a fait pour vous ou ce que vous faites pour Dieu? Pour quelle raison? La réponse, l'évangile est la valeur que je donne à ce que Dieu a fait pour moi. La raison est la gratitude à Dieu pour tout ce que, pour ce que Jésus-Christ, pour son sang, a fait pour moi. Своей драгоценной кровью. Бог спас меня своей безграничной благодатью, своей милостью. И то, что я делаю для него, я только лишь всегда благодарю его за все, что он сделал для моего. Galates 1, 15. Mais quand il a plu à Dieu, qui depuis le ventre de ma mère m'a séparé, il m'a appelé par sa grâce. Прошу меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего. Amen. La paix du Seigneur, mes frères et sœurs, nous allons répondre à la question numéro 2 qui nous dit comme ça. La valeur de l'évangile se trouve dans ce que Dieu a fait pour vous, ou alors dans ce que vous faites pour Dieu. Pour quelle raison? Alors l'évangile est la valeur que je donne à ce que Dieu a fait pour moi. Je le fais par gratitude à Dieu. Nous pouvons trouver en Galates 1, 15 qui nous dit comme ça. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. La paix du Seigneur à tous.
Nous dirigeons la troisième question à notre frère du groupe de jeunes de Londrine, notre frère Jean-Carlo au Parana. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. La réponse à la question numéro 3, il n'est pas possible de dispenser l'élection dans le projet de salut, car le projet vient de l'éternité. L'élection est selon la préscience de Dieu, donc il ne revient pas à l'homme de dispenser une partie ou l'autre du projet. Et cette partie fondamentale de l'élection est décrite dans le texte de 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, qui nous dit « Élu selon la préscience de Dieu le Père en sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et aspersion du sang de Jésus-Christ, grâce et paix, vous soyez multipliés. » Donc, il n'est pas possible de dispenser l'élection dans le projet de salut. Très bien, nous passons maintenant au Portugal pour avoir la réponse à notre quatrième question. Notre quatrième question sera répondue pour notre sœur Laetitia, la classe d'adolescents. Nous allons entendre Laetitia. La paix du Seigneur, mes frères. La réponse à la question numéro 4, qui se trouve en Éphésiens 1, 4. « Comme aussi nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et répréhensibles devant lui en amour. » La paix du Seigneur Jésus. Très bien. Notre question numéro 5 sera répondue par un diacre, Charles. Charles est le diacre de notre église Almenar dans l'état de Minas Gerais. Nous serons tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous voulons répondre à la question numéro 5. Dans votre conscience du salut, qu'est-ce que vous comprenez qui va la confirmer dans votre vie? Ce qui va confirmer le salut dans ma vie, dans la vie de tous les serviteurs de Dieu, c'est de vivre en obéissance et dans sanctification du Saint-Esprit, selon nous lisons en 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Digne nous dit, élu selon la préscience de Dieu le Père en sanctification de l'Esprit Saint, pour l'obéissance et aspersion du sang de Jésus-Christ, grâce et paix vous soient multipliées. Nous voyons que l'obéissance et la sanctification du Saint-Esprit, c'est ce qui va confirmer le salut dans ma vie et aussi dans la vie de tous les serviteurs du Seigneur, la paix du Seigneur Jésus. Notre sixième question va être répondue par l'état du Pará. Celui qui va nous répondre à cette question, c'est le frère Silas, du groupe d'ouvriers dans l'église de Thaïlande. Mes frères, la paix du Seigneur, je vais répondre à une question de l'école biblique dominicale. La question numéro 6, c'est qu'il me dit, il existe une sortie pour ceux qui ne font pas attention au salut. La réponse est non. Et nous pouvons retrouver ça dans le livre d'Hébreux, chapitre 2, verset 3, qui nous dit, comment échapperons-nous si nous ne faisons pas attention à ce grand salut, lequel, en commençant à être annoncé par le Seigneur, nous a été après confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc, l'expression ici qui nous dit « comment échapperons-nous » nous dit qu'il n'y a pas une manière d'échapper si nous n'attendons pas vers le salut. Amen. La paix du Seigneur. Très bien. Maintenant, notre septième et dernière question va être répondue en langue italienne parce que cette réponse vient de notre église à Firenze, en Italie. Et avant de présenter la réponse, qui sera donnée par l'intermédiaire, la classe intermédiaire Brian, nous voulons montrer ici aux frères et sœurs son pasteur qui est ici, loin, responsable pour son église, loin Merck, parole ici de Merck, l'église en Italie à Firenze. La paix du Seigneur, mes frères, c'est un grand privilège pour nous d'être là ici, dans l'école biblique, et pouvoir participer de cet enseignement doctrinaire qui apporte pour nous la compréhension, la vitesse, l'unité que l'école biblique dominicale nous apporte à l'étranger dans l'enseignement de la doctrine. Et cela, pour nous, c'est un grand privilège. Et je peux vivre ici, avoir cette compréhension plus approfondie. Et c'est l'école biblique dominicale. À tous, la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur Jésus, je m'appelle Brian de Silva Rosa. Je fais partie de la classe d'intermédiaire de l'église de Firenze, en Italie. Je vais répondre à la question numéro 7. Où se trouve l'assurance de notre salut? La réponse est, nous avons été élus en Jésus pour vivre en sanctification. Nous retrouvons cela dans le livre des Éphésiens, chapitre 1, verset 4, qui nous dit comme ça. Et
comme aussi nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui en amour. À tous les frères et sœurs, la paix du Seigneur Jésus. Amen. Pasteur Josias va continuer pour finir l'école biblique dominicale. Merci, Pasteur Josias, la paix du Seigneur. Très bien. Passons aux questions de l'école biblique dominicale la prochaine semaine. Nous continuons à traiter le sujet en découvrant les mystères de la volonté de Dieu et nous allons travailler maintenant comme texte fondamental le livre de Josué au chapitre 1, le livre de Josué. Passons à la première question. Selon le texte, Josué chapitre 1, citez les numéros des versets où nous retrouvons les verbes utilisés par Dieu pour diriger Josué par rapport à l'entrée et la possession de la terre promise. Deuxième question, quelles sont les recommandations et considérations naturellement que le Seigneur a données à Josué? Troisième question, combien de fois on lit l'objectif de Dieu à travers les expressions quand il utilise le verbe donner? Combien de fois le Seigneur s'approprie ce verbe et utilise dans ce texte que nous avons vu ici? Quatrième question, la mort du prophète annule la prophétie. Vous allez voir ici dans ce texte. Maintenant, cinquième question. Dans le texte lu, où se trouvent les mystères qui peuvent être prophétiquement appliqués au moment de l'Église dans nos jours? Citez quelques-uns. Ce que vous allez retrouver dans le texte, vous allez enregistrer dans les réponses. Sixième question, qui s'adresse aux jeunes universitaires et le groupe d'adolescents. Aussi a été inclus dans ce groupe. De réponse, sixième question. Quels sont les soins et recommandations donnés par le Seigneur dans les versets 7, 8, appliqués au moment actuel de l'œuvre? Vous allez lire les soins, les recommandations que le Seigneur a apportées à Josué, qui a présenté à Josué, et vous allez les appliquer prophétiquement au moment actuel de l'Église. Passons maintenant aux deux prochaines questions qui s'adressent aux enfants, terminés et adolescents. Question 7. Combien de fois le Seigneur Dieu a utilisé l'expression « et courage » ? Vous allez lire le texte et identifier combien de fois cette expression se trouve. Question 8. Citez trois recommandations données par Dieu au verset 7. Ces questions sont adressées aux enfants, terminés et adolescents. Naturellement, les parents vont travailler avec leurs enfants pour les réponses de la même manière comme nous faisons toujours ici dans l'école biblique dominicale. Mais le pasteur Jodetti a commenté au début qu'il allait revenir pour faire quelques recommandations. Naturellement, il a déjà fait dans son introduction. Nous voulons juste appeler l'attention aux frères et sœurs pour être attentifs. Vous qui êtes à l'église, maintenant vous regardez via satellite. Vous pouvez revenir et regarder à nouveau parce que ces recommandations, elles sont pour nous une direction du Saint-Esprit pour cette année par rapport à l'étude de l'école biblique dominicale. Ainsi, en attendant, elle demande au pasteur Gedetti, il demande pour remercier toutes les salutations envoyées cette période de fin d'année. Beaucoup de personnes lui ont envoyé les salutations, donc le souhait de, donc les vœux de bonnes et heureuses années. Donc, il remercie à tous ceux qui l'ont envoyé. Donc, pasteur Wilson, pasteur Karan de Curitiba, un remerciement spécial de ce pasteur. Une invitation, notre frère Jean Evangeliste, il est de Belo Horizonte, c'est un adolescent de 10 ans. 10 ans. Et c'est une invitation afin qu'il participe le prochain Unidos en Famille. Il y a un endroit réservé pour lui. Naturellement, il va venir avec un adulte, ses parents responsables. Donc, on va le remercier au nom de tous les intermédiaires et adolescents de l'œuvre. Une invitation spéciale faite à notre frère de Belo Horizonte, Jean Evangeliste. Amen. Nous allons mener la chaîne de communication avec les églises via satellite. Il y a une correction. Laetitia qui a été présentée, elle n'est pas de
de l'église de Porto, l'église Udivelas, au Portugal. Voilà, c'est corrigé. Bon, maintenant, nous allons rompre ici la chaîne de communication via satellite vers les églises. Les pasteurs et ouvriers vont finir présentiellement. Et nous allons continuer ici maintenant, à travers notre canal YouTube, ceux qui sont à la maison. La paix du Seigneur Jésus à ceux qui sont dans les églises. Maintenant, nous continuons par YouTube avec les études pour enfants, intermédiaires et adolescents dans la partie doctrinaire et après l'étude de la musique. Amen. Nous saluons à tous les enfants, aux intermédiaires et aux adolescents et les frères qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes très heureux car ça, c'est la première école biblique de 2022. Certainement, le long de toute cette année, nous allons étudier la parole de Dieu. Parce que ça, c'est la véritable, véritablement lampe pour nos pieds et lumière pour notre chemin. Gloire à Dieu pour cela. La thématique de notre étude de ce mois porte sur « Salut en Jésus ». Et dans cette première étude, nous allons voir que le salut est par la grâce. J'invite à ce que tous lisent avec moi le verset projeté ici, Éphésiens 2:8. Car par la grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, est un don de Dieu. Donc, notre étude parle que salut est par la grâce. Vous êtes appelé, qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est ce que quelqu'un gagne sans le mériter. La grâce, c'est un don, est un cadeau de Dieu. Et la Bible nous dit que après la résurrection de Jésus, les disciples ont commencé à prêcher l'Évangile. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et beaucoup de personnes se sont converties. Et l'Église grandissait chaque fois plus. Mais avec cela, l'Église aussi a été durement persécutée. Et une des personnes qui avait persécuté l'Église, c'était Saul. Il a été un homme utilisé pour la persécution des chrétiens. Mais un jour, dans le chemin vers Damas, Saul, il a eu une expérience avec Jésus. La parole nous dit que la lumière a resplendi sur la vie de Saul. Et à ce moment, Saul est tombé par terre et a reconnu que Jésus est le Sauveur. Celui-là a été le moment de transformation dans la vie de cet homme. Et le Seigneur appelle Ananias, un serviteur du Seigneur qui aussi était à Damas, pour prier pour Saul. Ananias, il prie pour lui, sa vision est récupérée, et il reçoit une bénédiction remplie du Saint-Esprit, et à ce moment, il commence à sortir et à prêcher la parole du Seigneur. Quelle merveille! De Saul, celui qui persécutait l'Église, maintenant, il est connu comme Paul, un serviteur de Jésus qui prêche l'Évangile et en étant utilisé avec pouvoir dans les mains de Dieu. Et ainsi, il est allé prêcher la parole et beaucoup étaient étonnés avec cette transformation. Comment cela est-il possible? Un homme qui persécutait durement l'Église, maintenant il parle de Jésus, il ne mérite pas. Beaucoup pensaient ça, il ne mérite pas. Mais Dieu aime à nous tous. Et lui, il nous a élus pour ce si grand salut. Alléluia. Et ainsi, nous avons été aimés par Dieu avant même notre naissance. Vous savez ça? Regardez qu'est-ce qu'il dit en Galates 1:15. Mais quand il a plu à Dieu, qui depuis le ventre de ma mère m'a séparé et m'a appelé par sa grâce. Donc, nous ne méritions pas ce second salut, mais il a plu à Dieu nous bénir et que nous puissions comprendre et donner de la valeur à ce second salut que nous avons reçu. Que cette année 2022 soit une année de beaucoup d'expérience, que nous puissions prêcher la parole du Seigneur, que nous puissions dédier notre vie
au Seigneur chaque jour plus en étant un vase de bénédiction dans sa main, afin que le nom du Seigneur soit glorifié dans notre vie. Que cette parole soit une bénédiction pour notre cœur. À tous, la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur Jésus aux frères et sœurs, spécialement à toutes les classes. Aujourd'hui, dans le volet Parfaite Louange, nous allons préparer une édition spéciale. Nous arrivons à la fin d'une nouvelle année. Nous pouvons dire que jusqu'ici, le Seigneur nous a aidés, nous a soutenus. Et à travers l'opération merveilleuse du Saint-Esprit, nous sommes en train de ramasser beaucoup de fruits. Des résultats merveilleux. Nous allons maintenant, avec beaucoup de joie, partager quelques témoignages des expériences vécues pendant cette année. Nous allons commencer avec la jeune fille Anna Carolina. La paix du Seigneur, mes frères, je m'appelle Anna Carolina, je suis du gouverneur de Valadares, Minas Gerais. Je suis ici pour raconter une expérience que j'ai eue pendant l'année 2020. Le Seigneur a révélé le jour de mon baptême que le Seigneur portait des cadeaux à chacun de nous. Et le cadeau que j'ai reçu, c'était une flûte en or. Au début, je pensais que c'était parce que je devais jouer la flûte. Et ce projet s'est réalisé à travers le culte online, l'Évangile éternel et le volet Parfaite Louange. Et je commençais à me rappeler de la flûte en or que j'ai reçue le jour de mon baptême. Donc, j'ai eu quelques flûtes, j'ai laissé garder pendant quelques temps. Et après 2-3 mois, à peu près, j'ai commencé à enseigner les flûtes. Et il y a des enfants qui viennent pour apprendre la flûte avec moi. Gloire à à Dieu pour cela. Quelle bénédiction merveilleuse. Nous voyons que le Seigneur, il est pressé à instruire, à utiliser, à perfectionner la connaissance et l'instrumentalité de nos jeunes. Gloire à Dieu. Mais nous ne sommes pas seulement eux, mais à nous tous, comme aussi nos enfants, intermédiaires et adolescents. Il a réveillé ce désir de servir et l'intermédiaire Maria Eduarda, qui va nous raconter son expérience. Allons entendre. La paix du Seigneur. Je m'appelle Maria Eduarda. Je m'appelle Isabelle. Nous sommes de l'église de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Avec la pandémie, on n'a pas pu aller à l'église. Donc, nous avons commencé à apprendre à jouer avec la sœur Janaína.
La paix du Seigneur, mes frères. Quelle bénédiction. Un gros bisou à vous aussi. Mes frères, c'est un grand privilège d'être dans la présence du Seigneur, pouvoir usufruire de la direction du Saint-Esprit dans cette œuvre. Nous avons eu récemment un séminaire béni pour les professeurs et nous sommes en train de aussi les professeurs de l'Église. Elle, dans Rio de Janeiro, elle a accompagné ce que nous avons fait dans le volet Parfaite Louange. Elles ont développé l'église, une petite bande, elles sont émerveillées avec le résultat. Donc, dans la ville Armação de Búzios, à Rio de Janeiro. Quelle merveille! La parole que nous avons dans notre cœur en ce moment, c'est de gratitude pour tout ce que le Seigneur Jésus il a réalisé parmi nous. Et nous pouvons dire, nous allons lire ensemble, des grandes choses le Seigneur a fait pour nous et pour cela, nous sommes heureux. Gloire à Jésus. Nous arrivons à la fin et nous voulons dire que nous continuerons ferme, affermis avec l'enseignement de la louange et nous comptons avec la participation de vous tous. Une grosse salutation et à la prochaine semaine. La paix du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Nous arrivons à la fin de cette école biblique dominicale transmise ici par notre canal YouTube. Nous allons prier maintenant pour les enfants intermédiaires et adolescents, pour les frères et sœurs qui sont dans la période de gestation, celles qui sont enceintes et pour nous tous. Nous allons finir maintenant cette période de l'école biblique dominicale. Prions. Seigneur, nous mettons devant toi la vie de tes serviteurs, les enfants intermédiaires et adolescents de ton œuvre. Des serviteurs à qui tu appelles et donnes des expériences profondes avec toi. Depuis leur petit âge, nous demandons que tu puisses bénir cette nouvelle année, qui c'est l'année de victoire, d'expérience pour leur vie, en faisant des marques, des témoignages pour ton ordre dans tous les endroits où ils passent. Aujourd'hui, c'est pendant cette période des vacances, aussi la période des études, qu'ils soient les témoins. Et vivant de ton œuvre avec les collègues, les professeurs, que ton message, ta parole, la fermeté dans la posture soit dans la vie de chacun, le long de toute leur vie, de leur croissance, gardée, préservée en toi. Nous demandons encore pour les parents, les professeurs, qu'il y ait aussi une ressource et la sagesse de ton esprit pour conduire nos enfants dans tes chemins. Bénis aussi, Seigneur, tes servantes qui sont saintes.
que ces enfants soient une bénédiction dans leur foyer, que tu puisses donner une bénédiction, qu'elles puissent être nées avec santé et avec joie, elles puissent te glorifier de la bénédiction de la croissance dans leur foyer. Bénis, Seigneur, nous demandons, nous tous, reçois sur ton autel cette école publique dominicane, conduis-nous pendant cette journée dans ta présence. C'est la prière que nous faisons et ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, amour de Dieu, notre Père éternel, les douces et éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur vous, frères, et sur le peuple de Dieu depuis maintenant et pour toujours. Amen. Amen, mes frères. C'est fini cette école biblique dominicale. Nous rappelons de toute la promotion de cette journée maintenue. Nous souhaitons à tous une bonne année, donc un bon début d'année. Que le Seigneur bénisse à tous la paix du Seigneur Jésus.